Merci de vous abonner, c'est gratuit, c'est juste un clic. La salle du millénaire de Savigny-le-Temple a accueilli une chanteuse du registre musical chrétien, Marie Missamou, que les chrétiens pratiquants de la nouvelle vague américaine des églises dites de réveil appellent affectueusement Sœur Marie. Arrivée de Kinshasa, 3 jours avant le concert, Marie était accompagnée de 2 de ses musiciens, un guitariste et un chanteur. Une fois sur place, elle a bénéficié du concours des musiciens congolais vivant à Paris. Mince avec des cheveux hirsutes, Marie Missamou est avant tout une artiste, avant d'être chrétienne. Ancienne chanteuse des éditions Glen de Paris, Marie a réussi à se forger un nom et à se faire respecter dans ce milieu masculin d'artistes congolais. Yes, oh yeah. Aussi, maman, chrétienne par sa foi, mais elle demeure culturellement africaine. Sa scène se décore avec des pagnes africains. Le sol rempli des tiges, des rameaux, des palmiers qu'elle ramène d'Afrique, comme si, par ce mouvement, elle est en train de chasser le mauvais esprit de la salle. La première partie du spectacle a été calme et réservée à l'adoration de Dieu. Le style particulier à cette femme et son ton pleureur qu'elle imprime à chacune de ses chansons, lui donnant ainsi un style traditionnel spécifique. Oh,
Quant à la deuxième partie du spectacle, introduite par un a cappella, dénonçant les massacres et les viols des femmes congolaises dans l'est du pays. 2009, Oyo, ezala ya pe na Congo na biso. Tolembi omona makila kotanga. Amen. 2009, Oyo, pasi pe si la to sepela kwa basusu. Kolo yo zawa pipo bundela Congo. Biso tolembi komona makila kotanga na Congo. Oh Congo a komi lokola mwana kufela babotie. Oh Congo. Oh Congo na biso. Congo, Congo, Congo yo. Papa tala ba komi ko viole bana mike. Kolo to suka wapio. Kilo ya bo mama esili na katia Congo ye. Congo to suka wapio. Ah somo ya makila esili na katia Congo ye. Congo to suka wapio. Lo seba ebeti bana Congo to la muka ye. Cette partie du spectacle a été un mélange de rythmes, de danses et de chants exécutés à la manière africaine, mais urbaine, rompant ainsi avec la tradition chrétienne européenne en matière des louanges. Après un tel spectacle, qui oserait dire n'avoir pas retrouvé à travers ses chants, ses rythmes et ses danses la culture africaine elle-même? Ce nouveau gospel africain se veut réellement particulier. Merci de vous abonner, c'est gratuit, c'est juste un clic.